première fois sur une moto pépite. Non, en tout cas elle roule bien même sans moteur. C'est pas trop pénible à mettre la bosse derrière, parce que c'est pas mal hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors déjà on a l'impression que c'est hyper rigide. Alors que pas spécialement. Il a la bosse derrière donc ça ça va me changer aussi grave. Les leviers sont hauts mais ça après c'est lui comment il pilote. Ah ça va faire bizarre. Ouh là là je sens que ça va faire bizarre. Bon on roule à peu près pareil au niveau du levier frein. Oh putain. Oh là là les chevaux qu'elle a. Ah la fée, j'ai jamais vu une fourche comme ça, incroyable. Oh là là, on dirait un 3,5 oh. On dirait un 3,5 enduro le machin. Là ça, il y a des chevaux. On va attendre, je suis avec Dylan. On va dire c'est une MYZF, MYWRF du coup parce qu'il y a pas mal de pièces direct ZF. Par contre, putain, la sensation de grippe qu'il y a, le frein arrière est. C'est un jouet. C'est. Ah c'est un rail. Du même. Oh la patate qu'elle a quoi. Incroyable. Non, regardez là. Ah, la différence avec ma 4,5. Enfin, par contre les commandes j'ai grave du mal. Le frein avant a du mordant mais même trop en fait. Ça va bien. C'est impressionnant parce qu'en fait c'est basiquement une moto de course qui pourrait rouler sur le championnat du monde hein. Mais la facilité en fait c'est. C'est ça un petit peu qui est impressionnant. C'est que tu pourrais penser que c'est ultra puissante, alors ouais elle est puissante mais à la fois tellement douce. Wouh. Comme j'ai dit jamais assis, je sais pas pourquoi mais elle fait pas mal au bras, rien. Bon c'est sûr quand tu sautes pas les sauts ça tapasse quand même mais c'est quand même ultra agréable. Je suis dégoûté, là bas il y a un terrain mais Motovert sont en train de filmer donc on va pas les embêter mais waouh, juste waouh, la moto elle est incroyable, elle est la fourche. Mon dieu! Donc c'est une fourche Kayaba Kit. L'amortisseur pareil. Préparé par OTS. Wouh!
trouve un petit peu haute de l'avant, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude. On va aller voir Dylan, j'ai promis qu'on essaierait de faire quelques sons ensemble. Ah par contre les gars, je suis dégoûté parce que sur ma WRF j'ai laissé klaxon. Et sur celle-là il n'y a pas. On va faire quelques sauts doucement. Tu tiens? Non, non. Non, non. Mets ta roue là-bas. Non, un peu plus moi. Là, t'es droit là. Sinon, c'est ton guidon qui est un peu vrillé. T'as passé la première? La première? Là. Pas encore? Celle-là, là. Bah, on va la faire. Tu me suis, je vais doucement. Faut juste que tu gardes. Et la moto elle est harmonieuse, c'est ça le mot, j'ai le mot, la moto est harmonieuse. Donc voilà, merci beaucoup à Outsider et surtout à Marc Bourgeois de me prêter sa belle moto de course. Vas-y, Dylan, le larieux là-bas, le didou, il se chauffe le didou, hein. Quel bonheur, mais quel bonheur! Allez, on se chauffe pas trop. C'est à quoi, c'est normal. Pitié que Didou. Ah, voilà. Allez, le Marco, le pauvre, là, il attend la moto depuis un moment. Merci encore. Première fois que j'essaye une moto comme ça.